papiers, soyez rassurés. Ma chérie, la première fois que tu m'as vu, j'étais à quatre pattes, en train de gaffer des câbles pour un certain DJ qui se reconnaîtra. Autant dire que je n'étais pas à mon avantage. Et pourtant, nous avons appris à nous connaître, à savoir qui nous étions vraiment au fond de nous. Tu connais ma grande capacité à me décider et à faire des choix, mais en ce jour, ici et maintenant, je le sais, mon choix est de vivre avec toi. Je veux vieillir à tes côtés, je ne peux pas me passer de toi. Tout ceci, ce sont des choses fondamentales. Et je t'aime. Le moment présent est merveilleux, c'est le jour de notre mariage, alors j'aimerais te dire que, même si je suis maladroite des fois, je t'aime profondément. Ce lien est précieux et rare, il nous a permis de faire des choses extraordinaires, et comme tu le dis toujours dans les jours de doute et de déprime, on est les meilleurs. Je t'aime. Je vous en prie, approchez, car voici le moment où les maîtres de séance vous convient à leur réjouissance nuptiale. Toutefois, avant de pénétrer dans la salle des festivités, je vous invite à coiffer votre couvre-chef pour pouvoir vous découvrir en présence de leurs altesses la reine Sonia de Habsbourg-Lorraine, grande connaisseuse et quasi-parente de la regrettée reine Marie-Antoinette, dont certains lui prêtent les traits. C'est pas faux. Et du roi Stéphane, que le peuple, qu'il réjouit dans sa grande bonté par quelques fantaisies théâtrales, connaît sous le nom de Monsieur Flouch. Je vais maintenant vous appeler, chacun à votre tour, à pénétrer dans la salle des festivités. Nous applaudissons très fort Sonia et Stéphane.